Mettre un ultimatum à son ex, est-ce que c'est une bonne idée pour sa reconquête amoureuse? Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque votre ex est un peu ambigu, lorsque votre ex souffle le chaud ou le froid, ou lorsque votre ex vous dit j'ai besoin de temps, vous pensez à l'idée que mettre un ultimatum à son ex peut faire pencher la balance dans votre sens. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'en séduction, mettre un ultimatum, utiliser la coercition pour séduire fonctionne? Je crois que si vous pensez cela, c'est que vous n'avez pas la gestion de vos émotions. Parce que je peux vous assurer qu'aucune reconquête amoureuse ou aucune mise en couple ne se fait sous la coercition. Mais on en parle après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse. Et dans cette vidéo, on va voir mettre un ultimatum à son ex. Est-ce que c'est une bonne idée pour sa reconquête amoureuse? Alors souvent, cette idée vous vient lorsque votre ex est indécis ou indécise ou joue plutôt l'indécision. Car généralement, lorsqu'on prend la décision de rompre, on a réfléchi à la situation. Bien souvent, je vous le dis, votre ex ne s'est pas levé un beau matin en décidant de rompre. Il y a eu un cheminement vers cette séparation. Et donc, peut-être que pour vous, c'est un électrochoc, mais pour votre ex, cette décision est plus ou moins réfléchie depuis quelque temps, depuis quelques semaines ou quelques mois si vous êtes dans une relation qui est très très longue. Alors, comme votre ex est soit vraiment indécis ou indécise, ou soit joue l'indécision, vous vous dites, j'ai une bonne idée, je vais mettre un ultimatum à mon ex. Je vais mettre la pression pour qu'il ou elle se décide. Parce que vous, vous en avez marre d'être dans cette zone qui est un peu grise. Mais encore une fois, pourquoi vous restez dans cette zone grise? Vous êtes en attente vis-à-vis de votre ex. Et c'est pour ça que votre ex est indécis ou joue l'indécision. Pour récupérer son ex, il faut reprendre sa vie en main comme si votre ex n'allait jamais revenir. Alors, si votre ex joue l'indécision, au lieu d'attendre en se disant peut-être qu'il ou elle va revenir ou lui mettre un ultimatum, vous devez reprendre votre vie en main et sortir justement de cette zone grise. Si votre ex a besoin de réfléchir, laissez-lui le temps et l'espace de le faire, mais vous, vous continuez votre vie. Pas besoin de mettre un ultimatum parce que dans les deux cas, vous serez perdant. Si votre ex se joue de vous en faisant de l'indécision qu'on va appeler volontaire, votre ex va trouver ce prétexte pour vous dire que c'est vous le méchant, que c'est vous qui ne comprenez pas. Et donc va vous dire c'est terminé, etc. Moi, j'ai pas envie de revenir dans ces circonstances-là. Et dans le cas où c'est une vraie indécision, votre ex va se sentir oppressé, va se sentir étouffé, et donc va vous dire bye bye. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous mettez un ultimatum et que le lendemain vous dites « mais non, j'ai bien réfléchi, mais prends tout ton temps, etc. » Vous allez montrer que vous n'avez pas un contrôle émotionnel, que vous n'êtes pas linéaire et que le rapport de force est en faveur de votre ex. Il faut vraiment que ce soit en séduction ou en reconquête amoureuse que le rapport de force soit équilibré. Et lorsque vous montrez que vous êtes en attente vis-à-vis d'une personne, vous êtes tout sauf attirant. Donc, plutôt que de mettre un ultimatum à son ex si celui-ci ou celle-ci est indécis, vous devez prendre de la distance, laisser votre ex réfléchir de son côté et vous reprendre votre vie en main. Faites comme si votre ex n'allait jamais revenir et c'est là que vous allez augmenter vos chances de reconquête amoureuse. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James D.